Ciao, bonsoir. Alors, dans cette vidéo, c'est une deuxième vidéo de Yasmine. J'ai l'impression que Yasmine n'a pas compris, peut-être que la vidéo qu'on a faite à son encontre, peut-être qu'elle a mal pris, ou bien peut-être que les gens l'ont insultée, bon, parce que moi je n'ai pas consulté les autres vidéos. Bon, elle a eu à parler beaucoup, elle s'est beaucoup énervée, elle a eu à faire écrire encore plein de choses, encore pire que ça. Mais Yasmine, il faudrait que tu comprennes que c'est vrai que c'est ta vie. Chacun de nous a une vie. Chacun de nous a sa vie privée. Chacun de nous fait de sa vie ce qu'il veut. Mais il y a un truc que tu dois comprendre. Ta fille a été miss. Ta fille a fait miss d'abord. Et disons, ta fille a fait miss. Et tu es la mère de cette fille. Donc cette histoire des miss là, quand on parle de Yasmine, on parle de la Miss, on parle de comment dirais-je, Yasmine Aka, la mère de la Miss. Et de quelle Miss? De Côte d'Ivoire. C'est là que vient le problème. Notre pays est indexé parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Et puisqu'on a nos soeurs, nos enfants, nos mamans qui sont femmes comme toi, on ne veut pas vraiment que. On veut qu'on les respecte. Une dignité pour ces femmes. On veut qu'elles soient respectées, les femmes ivoiriennes, on veut qu'elles soient respectées. Parce que c'est vous qui devez donner de l'exemple. Parce que tu es comme, comment dire, tu es une chanteuse, je rappelle que tu es une chanteuse. Mais ces genres de trucs, vous êtes les chanteurs, comment dire, les footballeurs, ces genres de personnes, c'est les genres de personnes souvent quand ils vont à l'extérieur du pays, ils représentent le pays. Donc c'est comme ils étaient des ambassadeurs. Donc c'est des trucs vraiment, vous êtes vraiment importants. Alors, si vous devez déraper, faire ce genre de truc, quand vous parlez, vous dites que non, c'est ceci, non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on a envie de faire, c'est pas parce qu'on veut vous emmerder, mais non, c'est pour vous dire de vous ranger, c'est tout. Sinon, chacun sa vie, chacun fait de sa vie ce qu'il veut, mais de vous ranger, de vous ranger. Maintenant, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas, enlevez l'étiquette de ces trucs-là sur vous, footballeur sur vous, chanteur sur vous, comment, Miss sur vous, là, comme ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas collée sur vous. C'est bon, c'est cool. C'est-à-dire que vous changez de visage, vous changez de tous ces genres de trucs, vous changez de nom, vous changez de pays si vous voulez. Et maintenant, si vous voulez faire vos vidéos porno, vous voulez vous exposer sur le Face, il n'y a pas de problème. Les gars vont regarder. Ils vont regarder, puis c'est fini. Mais c'est quand ça, il y a cette étiquette-là, de footballeur, de chanteur, de Miss, c'est ça qui est le problème. Parce que quand on parle de footballeur, tel footballeur, directement, on parle de la Côte d'Ivoire. Quand M. Drogba, quand on parle de M. Drogba, on parle de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Quand on parle de Yaya Touré, on parle de la Côte d'Ivoire. Automatiquement. Qui dit la Côte d'Ivoire? Dit les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est qui? C'est nous, les Ivoiriens. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait qu'on dise que non, ça ne va pas. Mais tu as ta vie, ça ne veut pas que tu t'appartiennes. Nous, on a notre vie. Et de là, tu parlais de, comment dirais-je, comment tu as vécu ton enfance. Personne ne sait ton enfance. Mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé, ton enfance ou pas. Chacun a son enfance. Chacun a eu son enfance difficile. Qui a eu son enfance qui n'a pas été difficile? Chacun a son enfant difficile, chacun a sa vie. Donc, ça veut dire que si chacun parle de son, si pense à son enfance, ici là même, on devait faire des bêtises. Non! C'est pas ce qu'on te demande, Yasmine. C'est parce que tu es la mère d'une fille qui a fait Miss. Voilà le problème. Voilà le problème qu'elle a. Et du coup, on parle de la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Si tu veux faire quelque chose, fais quelque chose de bon, dans le bon sens. Pour qu'on puisse parler comment dirais-je, pour le bien des Ivoiriens, mais pas dans le mal. On te dit un truc, tu te plains, tu te fâches, tu insultes les gens. Non! Les gens qui t'ont insulté, bon, là c'est autre chose. Mais les gens qui t'ont pas insulté, ils te font du bien. Ils te veulent du bien, disons. Donc, il faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger les choses. Vraiment, tu m'excuses, mais faut pas mélanger les choses, quoi, s'il te plaît. Il faudrait que tu comprennes. Il faudrait que tu comprennes qu'il y a des trucs que tu ne peux plus faire dans ta vie. Il y a des trucs que tu ne peux plus faire dans ta vie. C'est pas comme toi. Sinon, une fille quelconque, elle se lève, elle s'en va faire une vidéo, elle met ça sur le net, mais qui va la regarder? On va seulement regarder, puis c'est tout. Personne ne peut même parler. Peut-être que si c'est ta, comment dirais-je, c'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ta camarade, tu la connais, tu l'appelles, tu dis, ah chérie, bon, il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas bon, ben, c'est comme parce que personne ensemble, je te le dis, c'est dans ce sens, c'est tout. Dans ce sens, tu peux le dire. Sinon, si tu ne la connais pas, pourquoi tu as t'emmerdé? Tu peux lire la vidéo, ça ne te plaît pas, tu laisses tomber. Mais quand on parle de Yasmine, on parle de la Côte d'Ivoire, c'est ça le problème. Voilà où le problème est.
Et qui dit les Ivoiriens et nos soeurs sont là. Puisque tu es un Ivoirien, mais quelle considération on va donner à nos soeurs? Quelle considération on donne comment dirais-je, aux soeurs Ivoiriennes? C'est ça le problème. Donc il faudrait que tu comprennes moins ce sens-là. Le sens que ta fille soit comme a fait miss ce truc-là. Il faudrait que tu comprennes cela. C'est pour ça qu'on t'interpelle, pour te dire non, on va faire ça, laisse tomber cette histoire. C'est tout, c'est non. Si tu as changé de nom, tu as changé de visage, tu as changé de pays, tu as changé d'origine, tu as changé de nationalité, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu reviens ici, tu vas pas, quelqu'un ne va même pas t'emmerder, même te dire que tu as fait une vidéo, tu as fait ceci. Non, non, non. Tu peux faire ta vie comme tu veux, comme tu veux. Machin. Mais tant que tu porteras ce nom de Miss, ça sera sur toi, des mères, de Miss, ça sera sur toi. À chaque fois que tu as fait quelque chose, on va t'interpeller, ça y a rien à faire. On fera des vidéos sur toi. Ça y a rien à faire, il faut pas t'emmerder. On fera des vidéos sur toi, ça y a rien. On le fait, c'est pour que tu arrêtes, c'est tout. C'est pour que tu arrêtes. Et tu dois arrêter. Arrête, et c'est tout. Histoire des sexes, ça va où en Afrique? Ça, on ne connaît pas ça en Afrique. Si tu veux, tu vas devenir américain, tu fais tout ce que tu veux. Tu es américain, tranquille, sans problème. Si on aux États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Donc, tu fais ta vie tranquille, quoi, c'est tout. Mais tu es une chose ivoirienne, mais d'une fille qui a fait Miss. Puis tu as, non, non, on ne peut pas te regarder. Pas te laisser faire ça. Non, non, non. C'est que ce qu'on peut dire, on dit, c'est tout. Maintenant, si tu veux, tu continues, mais nous, on va te parler. Donc, vraiment, c'était pour ça, quoi. Vraiment, ok. Merci, merci, merci beaucoup.